Il y a un moment où vous naissez, il y a un moment où vous grandissez, un moment où vous devenez vieux. Tout simplement, c'est la même chose aussi pour les plantes. Donc après 20 ans, 25 ans, les plantes commencent déjà à vieillir et ne donnent plus le potentiel qu'on attend des plantes. Donc bien évidemment, les arbres doivent être remplacés. En Côte d'Ivoire, on peut considérer plus de 20% à 30% du verger ivoirien qui nécessite vraiment de la régénération. L'essentiel, c'est de constater que vous avez une plantation qui vous produit moins de 100 kg à l'hectare. Même s'il y a des cabosses, il y a des champs qui produisent 500, 600, 700 kg à l'hectare. Donc du coup, le besoin, il est là. Et si nous voulons un nombre de plants pour régénérer le verger ivoirien, il faut faire un peu plus que les semences. C'est pour ça que vous avez l'embryologie somatique et puis la technique de l'orthoboutture. On récupère des boutures et puis on les fait grandir. Donc une seule plante peut nous produire 70 à 100 plantes. J'ai remarqué qu'avec ces plantes-là, même quand il ne pleut pas, c'est des plantes qui ne meurent pas comme ça. Elles sont toujours fraîches, c'est-à-dire elles ont toujours la force, la vivacité, quoi. Le risque, c'est que le planteur il prend les plants de Nestlé et à les couper de la forêt vierge pour étendre sa plantation et de planter les cacaoyers reçus de Nestlé. Donc on donne de la formation par rapport à comment est-ce qu'on fait le planting, mais aussi on informe bien avant que les plants qu'on donne, c'est pour la régénération. Donc le message, il est clair, il est reçu par les coopératives, il est reçu par les planteurs. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Il faut penser à des solutions durables. Les cacaoyers sans ombrage, sans arbre, ce n'est pas pour la durabilité. Il faut penser à l'agroforesterie. Par exemple, la certification OUTS va demander 18 arbres à planter par hectare. Le contrat que nous avons avec la coopérative, c'est d'abord de réussir la pépinière. Donc pour fixer une ordre de grandeur, cette année, on a 28 pépinières par rapport à environ 50 coopératives avec lesquelles nous travaillons. Ce que nous avons promis aux cacaoculteurs ivoiriens, c'est 1 million de plants. Pour nous, le cacao de demain, c'est celui-là qui va faire 2 tonnes à l'hectare, 3 tonnes à l'hectare. Le cacao doit nourrir son homme, c'est possible en Côte d'Ivoire.